La réunion n'a pas eu les résultats attendus. Une heure et demie d'échange entre les syndicats et la direction conclue par un statu quo. Il faut quand même dire que la direction nous a entendus sur les attentes qu'on avait, sur les problèmes que nous rencontrons. Maintenant, elle ne répond pas à ce que le personnel avait demandé, qui est simple, le paiement des heures supplémentaires. Et c'est particulièrement sur ce point que les syndicats sont mécontents. Selon eux, moins d'une heure supplémentaire sur trois a été payée cette année. Certains en effectuent presque 300 par an. 7 à 8%, on n'est pas dans les 30% qu'il avait dit là pour le coup. Donc, moi je termine à 270 heures d'heures supplémentaires fin décembre. Moi j'aime mon métier, mais je n'aime pas les conditions dans lesquelles je le fais. Il faut aimer les gens, hein. On ne travaille pas sur des machines, donc ça nécessite d'avoir une concentration de tous les instants. Et quand on est fatigué, on n'a plus cette concentration et cette vigilance que le travail nécessite. Le mouvement va donc se poursuivre. Pour l'instant, le personnel effectue tout le nécessaire pour les patients, mais refuse certaines tâches administratives. Contactée pour une demande d'interview, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité nous répondre.